Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia Polski, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la maire adjointe de Paris en charge du commerce et de l'artisanat et des professions libérales et indépendantes. Ma première question, c'est si vous deviez un petit peu définir le tissu entrepreneurial de Paris, vous diriez quoi? Et notamment en ce qui concerne le commerce et l'artisanat qui est votre domaine particulier. Alors je dirais qu'on a la chance à Paris d'avoir un tissu particulièrement dynamique, surtout dans un contexte qui est celui d'aujourd'hui, et qu'on a beaucoup misé sur la question de l'innovation. Mmh. Et que je crois qu'on reconnaît maintenant à Paris ce statut de la capitale des start-up, bientôt qui, à l'international, va aller très loin. Alors justement, qu'est-ce que la mairie de Paris fait spécifiquement pour ce tissu-là? Quelles sont les différentes actions que vous mettez en place? Déjà, depuis la dernière mandature, il y a une politique qui a été lancée d'incubateurs, de pépinières d'entreprises très fortes, avec une vraie volonté d'investir beaucoup de champs. Donc on a une pépinière des métiers du sport. Là, on a lancé un incubateur qui s'appelle Smart Food, un incubateur des métiers de l'alimentation. On lance comme ça des gros incubateurs. On a partout des incubateurs qui ne sont pas forcément thématiques, mais on en lance aussi des thématiques. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire résonner toute l'économie parisienne et qu'on puisse faire interagir un peu tout le monde. Moi, par exemple, sur le champ du commerce, on est convaincu que les commerçants de proximité auxquels on tient, parce qu'on veut garder cette diversité qu'on a dans Paris et à laquelle on est extrêmement attaché, il faut qu'ils puissent aussi être connectés. Et on essaye de faire un certain nombre d'initiatives pour faire se rencontrer à la fois le monde du digital, des start-up, et nos commerçants de proximité pour qu'ils puissent passer dans cette nouvelle, période qui s'annonce. Ah bah, par exemple, la CMAEST, qui est notre société d'économie mixte qui s'occupe du développement économique, travaille sur une opération qui s'appelle Costo, Connected Stores. C'est une petite boutique qui montre les muscles. Et l'idée, c'est de faire donc se rencontrer notre écosystème de start-up et nos commerçants de proximité, de créer des réseaux qui puissent tester des solutions qui leur conviennent, qui soient adaptées. Donc on a lancé un appel à projet, on a fait ces rencontres avec un certain nombre donc, de start-up qu'on avait sélectionnées pour eux. Et puis le projet vit sa vie, on fait régulièrement des rencontres avec des petits déjeuners sur des sujets très spécifiques, les fidélisations, enfin bon, voilà. Et donc notre idée vraiment, c'est qu'on pense qu'il faut qu'il y a... On voit bien qu'on est dans un monde en mutation et qu'il faut que tout le monde puisse profiter aujourd'hui de ce qui est en train de se passer. Et qu'il faut qu'on prenne le train en marche. L'objectif, c'est aussi de pérenniser ces commerces de proximité. Exactement. Parce que même à Paris, c'est pas que dans les petits villages que le commerce de proximité a des difficultés. Ça existe aussi. Ah bah nous, on a la chance d'avoir un commerce même plutôt dynamique et florissant. Cela étant, on est conscient du fait qu'il faut qu'on les accompagne dans cette transition. C'est souvent parce que comme ils sont seuls, parce que commerçants indépendants, ils sont assez démunis. Et donc, on veut, nous, essayer de pouvoir les aider dans cette transition-là. D'accord. Alors vous avez fait un petit tour du salon ici. Pas encore. C'est à venir. Ah, mais oui. Je viens juste d'arriver. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quel conseil vous avez envie de leur donner? Ou qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour rester à Paris, entreprenez à Paris? Venez nous voir. Ah, alors venez d'abord parce que Paris est une ville bienveillante et humaine, belle. Évidemment. Ça compte, hein, la qualité de vie, qu'on a la chance d'avoir des services publics qui permettent aussi d'avoir un accès à beaucoup de choses, le savoir, l'éducation, les transports en commun. Enfin, on a tout un tas de services par ailleurs. Et puis, comme je vous le disais aussi, maintenant, on est devenu un écosystème de start-up innovantes qui bouillonne. Et donc, on a énormément de choses à venir à capter à Paris. Et puis après, si vous avez des projets intéressant, prenez contact avec nous et voire même on pourrait vous incuber. Le message est passé, merci beaucoup.